Les gens nous prennent pour des plus riches. Petit, il faut vite prendre des décisions. Comment? Désormais, là, tu ne vas plus travailler. Ah bon? Il faut même jeter tes outils. Non, j'ai... Hé, regarde, nous allons rentrer. Maintenant, nous mangerons et nous garderons pour nos petits. Oh! Petits, un petit fils. Voudrais-tu m'épouser? Va te coucher avec mon frère, il pourra vous gérer toutes les deux. Ma mère ne m'a pas autorisé de le faire. Ouvre bien tes oreilles, petit rougeâtre. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu serais partagé entre d'autres femmes et moi? Ami, c'est parce que je ne t'ai pas dans tes rêves. Quand mon frère te demandait de construire ta vie avec moi. Et puis, que penses-tu des autres filles qui rêvent maintenant là? Laissons tout ça là. Tu oublies une chose. Mieux à les gens, puis ça prouve vraiment ta richesse. Et puis, j'en passe. Frère, autrefois, quand nous n'avions rien, vous étiez enfant, moi j'étais bébé. Nos parents partaient aussi chez les autres, prendre un peu de sous pour nous vêtir, nous nourrir. Mais il n'est pas question de troubler l'ordre. Tenez bien, prenez ce qui m'appartient, mais laissez ce qui appartient à l'État. Matouna. Tu m'as manqué. Prends place. Merci. Écoute, Nondifale. Depuis que tu as quitté, rien ne va ici. Il s'est entouré de gens qui ne peuvent le reprocher. Or, ceux-ci lui tendent des pièges en cherchant leur intérêt. Vous voulez le voir? Oui. Ok, je l'informe de votre arrivée. Vous savez, madame, il est très important, voire même très très important, de dire la vérité, où que nous soyons, quoi que nous fassions, quel que soit le moment et quel que soit le prix à payer. Ça, c'est bien dit. Comment vous pouvez me demander, moi, le frère de demande de sortir, s'aligner comme les autres? Je ne suis pas n'importe qui. Docteur, vous devez vous occuper maintenant là de mon neveu. Mais qui êtes-vous pour me donner des ordres dans mon service? Non, mais où sommes-nous? Dans les rivières du sud, où les portes s'ouvrent à ceux qui ont les poches pleines. Les privilèges, les honneurs, etc., etc., à ceux qui sont couverts d'humilité, disons des hauts cadres comme mon frère Dema. Docteur, si vous refusez de vous occuper de mon neveu, je vais donner l'ordre à votre adjointe ou à votre adjoint ou à la réceptionniste de le faire à votre place. Et là, vous ne serez pas étonné de ce qui va vous arriver. Monsieur, sortez! Allez nous attendre près de votre patient pour lequel nous avons de l'estime. Vous venez me corrompre? Vous qui devrez servir d'exemple. Mais pourquoi vous êtes-y curieux? Ne savez-vous pas que j'ai le droit de contrôler sa communication? Ok. Tenez. Mais vous n'avez pas votre place ici. J'attends ta démission dans les brefs délais. Depuis quand une secrétaire qui fait la morale à son chef? Laissez-la! Mais parle, celui-là! Laissez-la, quand je parle, tu me regardes! Sinon, je te vois quand même. Les Sénats, départage-nous. C'est elle ou c'est moi? Oui. Oui, quoi? Ce qu'elle a dit. Eh, j'ai dit beaucoup de choses. Mais oui. Eh, t'as perdu ta langue ou quoi? Si tu dis que tu ouvres tes oreilles à tout ce que tu entends en Afrique, tu vas souffrir. Mais attends, pourquoi elle vous traite de majeur incapable? Majeur incapable, moi? T'as rien compris. Écoute, cette femme-là, elle a une diarrhée verbale, c'est tout. Cette fois-ci, avec votre permission, je tiens à rencontrer votre chef. C'est moi le chef, madame. Ah, d'accord. Votre adjoint, alors? C'est moi l'adjoint, madame. Il ne faut pas confondre la vie privée et le travail. Et puis, vous venez, vous ne faites rien au travail. La fin du mois, vous êtes les premiers à attendre la main pour vos salaires. On ne fait rien. Après, c'est pour crier à gorge déployée que vous voulez des augmentations de salaire. Comment on peut augmenter si vous ne faites pas votre travail? Vous venez à 10h et déjà à 15h déjà vous avez envie de rentrer. Il n'y a pas de problème. Même si vos actes restent impunis, dus au non-respect des normes démocratiques, sachez que Dieu vous voit. Ils sont tous pareils, ces gens-là. Après chaque détournement, chacun a sa part du gâteau. Ceux qui essaient de le résister sont soit corrompus ou mis à la porte. C'est pas possible, c'est énervant. Écoute, oncle, le pouvoir n'est pas une formule chimique où rien ne se crée,
rien ne se perd, mais que tout se transforme. Écoute, oncle, je vais te dire. Le pouvoir conduit à l'abus du pouvoir. Et l'abus du pouvoir conduit à la perte du pouvoir. Ah bon? Donc, c'est tout ce que tu as pu retenir de tes cours en sciences politiques en Europe, là? Les gens-là étaient là pour leur dossier. Ils ont arrêté pour leur financement. Pourquoi vous les reprogrammez toujours? Temps pour nous de trouver la formule magique afin de soutirer notre part de gâteau. Et vous n'aurez pas là où se plaindre. Ici, un dossier n'est défendu que s'il représente un intérêt particulier pour eux. Moi, je rentre. Et je suis en attente pour toute sanction, mais je ne peux pas continuer de cautionner ça. Et vous, madame? Je ne suis pas esclave de mes... Soyez en paix. Et si je vous donne la solution? Et quant à toi, petit, je vois tes problèmes. Ton père ne t'aime pas. Le sacrifice, tu m'enverras un taureau blanc. Allez-y en paix. Waraba. Il a encore des